vraiment le roi de la jungle. Quel frimeur! Moi aussi, je peux le faire. Tu vas monter là-haut? Tu crois que tu vas y arriver? Ouais, avec mes biceps, ça et cette liane. On parie, moi aussi j'ai appris plein de trucs depuis qu'on vit dans la jungle. Dans la jungle, un moment d'inattention peut être fatal. Faux frère, va. Qu'est-ce qu'ils ont? Ce n'est qu'un piranha. La pêche du premier piranha par les bébés marsueux est un événement capital. L'heure de leur initiation a sonné. Leur initiation? Ils doivent prouver qu'ils sont capables de survivre dans la jungle sans leurs parents. Pour cela, ils vont devoir traverser seuls et sans aide la vallée des traditions. Tu vas filmer ça, maman? J'aimerais bien, mais il me faut l'accord des marsues. C'est pas un peu dangereux, cette vallée des traditions? D'après Yamatunga, c'est infesté de bestioles mortelles. Même Marsieu les chocottes, rien que d'y repenser. Ne t'inquiète pas, et puis Marsieu a accepté de nous accompagner. Dis-moi, Mouchou Bichou, il faudrait que tu me bidouilles quelque chose pour que je puisse filmer les bébés à distance. D'accord. Tu vois, Amanda, cette caméra se pilote à distance. Sa portée est de 200 mètres maximum. Elle peut aller sous l'eau, jusqu'à 50 mètres de profondeur. Enfin, ça, c'est du bricolage, hein. Si j'avais eu plus de temps... Tu es vraiment le roi de l'électronique, mon chou-chou. Ce sera parfait. Bonjour, Marsu. Tu vois, Marsu, ce sera notre caméra pour filmer tes bébés. Comme ça, on pourra les surveiller sans qu'ils nous voient. Et si on ne veut pas rater le départ des bébés, on ferait mieux de se mettre en route. Tu nous montres le chemin, Marsu? Ça y est, prudent, surtout. Au revoir. Oh,
vite. Je crois que la Marsue va rentrer à la maison. Je la comprends. Aucune maman ne supporterait de voir ses petits en danger sans intervenir. D'ailleurs, je préférerais que tu rentres avec elle. L'endroit est dangereux. Eh, ça va, maman. Franchement, elle a pas l'air si terrible, cette vallée des traditions. Décrocher des fruits est une chose, Théo. Survivre dans la jungle demande d'autres capacités. Mais je veux y aller, moi. Théo, tu es encore trop jeune. Ok, c'est bon. Je rentre avec elle. Des plantes carnivores. Maintenant, sinon je vais perdre le contact avec le robot caméra. On va faire deux voyages, ce sera plus facile. Hey. Alors, c'est le moment de voir si ce robot est vraiment amphibie. Chercher les autres bagages, merci. Oudak. Mais lâche-moi, sale bête. Marsu. Non, je suis pas rentrée. J'ai décidé de traverser la vallée, moi aussi. Seule et sans aide. Et comme t'es mon amie, tu vas me laisser faire et rien dire du tout à ma mère. Oudak. Allons, Madame Marsu, vos petits ne risquent rien. Le robot les suit à la trace et Amanda et Marsu les surveillent. Il ne peut rien leur arriver, hein? Pou, papa. Oh, my God.
Merci. Ouais, je préfère vraiment quand c'est cuit. Merci Marsu, mais je t'ai dit que je me débrouillerais seul, alors je me débrouillerais seul. C'est vraiment incroyable. Aucun animal est capable d'une telle intelligence pratique. Ne vous inquiétez pas, Madame Marsu, tout va bien se passer. Oudak. Oudak. Bibi Ouni. Pour l'instant, je m'en suis plutôt bien sortie, non? Je vais pas arrêter maintenant, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ah, mais quelle idée d'aller courir la jungle avec toutes ces bestioles. On est quand même mieux chez soi. Enfin. Allez, viens, ma chérie. On va prendre un bon bain bien chaud. Sont très dangereux. Il faut redoubler de prudence. Oh là, je vais jamais pouvoir marcher là-dessus. Ah. Oups, on est trop loin du robot. J'ai du mal à le contrôler. Je ne vais pas m'aventurer dans les marais, ce serait beaucoup trop dangereux. Je vais arrêter de filmer ici. Bibi, bobo, bibi. Oui, vas-y, Marsu. Je ne bouge pas et je t'attends. T'es
Théo, pas de bêtises. Tu peux y arriver. Non, tu vas y arriver. Ne bouge pas, mon chou. Papa revient tout de suite. Oh, c'est vous, Madame Marcel? Seul humain qui ait réussi le même exploit que les marsupilamis. Oudak. Mais je n'ai rien réussi du tout. Et à cause de moi, on a failli y rester. Non, Théo, je suis très fière de toi. On dirait que la famille marsupilami compte désormais un sixième marsu.